l'endométriose est une pathologie bénigne fréquemment rencontrée dernièrement lors des consultations. Alors c'est une, pourquoi est-ce qu'on la rencontre de plus en plus en ce moment? Parce qu'avant l'été, c'est une pathologie qui était sous-diagnostiquée. Alors, elle se caractérise par la présence de tissu endométrial qui normalement devrait être qu'au niveau de la cavité utérine, mais elle se caractérise par des implants endométriaux en dehors de la cavité utérine. Alors, cette endométriose peut causer plusieurs désagréments de la vie, surtout un absentéisme au moment des règles. Pourquoi? Parce que l'endométriose elle génère des règles très douloureuses et elle peut aussi engendrer des problèmes de fertilité ou des problèmes de qualité de vie. Alors, la chose à faire, c'est qu'il faut sensibiliser les femmes sur une consultation très précoce. L'endométriose est une pathologie de la vie génitale de la femme. C'est-à-dire que dès qu'une femme commence sa vie génitale et qu'elle a des douleurs de règles, il faut qu'elle consulte pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose et surtout la stadifier et mettre en place des traitements qui pourront améliorer la qualité de vie de cette femme-là. Un peu plus tard, quand la femme voudra peut-être avoir des enfants, l'endométriose peut être responsable aussi d'infertilité. Et dans ce cas-là, il faut vraiment consulter et faire un diagnostic précis pour pouvoir traiter et prendre en charge ces problèmes de fertilité. Alors, il n'y a pas au jour d'aujourd'hui des moyens quotidiens pour pouvoir traiter l'endométriose ou prévenir l'endométriose. C'est quelque chose en général qui est génétiquement déterminé et qui commence à se manifester dès que la femme commence à devenir pubère. Donc voilà, ce qu'il faut surtout faire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, dès qu'une femme a des règles douloureuses, dès qu'une femme a une qualité de vie qui est un petit peu perturbée par ses règles ou alors par ses rapports sexuels qui peuvent être douloureux, il faut qu'elle consulte un spécialiste de l'endométriose ou un gynécologue pour pouvoir poser le diagnostic et mettre en place la meilleure thérapeutique possible.